Bonjour Claire de Vlemings, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'autisme, d'autisme Asperger, et comme je vous l'avais annoncé, je vais vous décrire les grandes caractéristiques de l'autisme dans les grandes lignes. Et aujourd'hui, une des difficultés auxquelles nous faisons face en tant qu'autistes et autistes Asperger dans le quotidien, c'est la communication et les interactions sociales. Pourquoi? Eh bien parce que nous lisons difficilement le langage non-verbal et les messages qui passent dans les yeux des gens. Donc, cela va nous handicaper dans la création des relations sociales, dans le maintien des relations sociales et également dans la fluidité des échanges avec les autres personnes. Ensuite, nous sommes des personnes qui sommes à la fois franches et candides. Franches parce que nous disons les choses telles que nous les pensons. Nous n'avons pas le filtre cognitif qui nous permet de nous retenir, de dire une chose inappropriée. Et donc, nous pouvons paraître arrogants, nous pouvons paraître mal éduqués, nous pouvons paraître complètement insensibles parce qu'on dit quelque chose qui est une vérité. Ce que vous avez vraiment besoin de savoir, c'est que nous le disons sans aucune malice. Il n'y a pas de malice chez une personne autiste. Et cela nous amène à la candeur, qui fait que mais nous allons croire ce qu'on nous dit. Donc, on va avoir quand même pas mal de difficultés aussi avec le second degré. Mais la candeur a un effet beaucoup plus retors, c'est que nous allons être des victimes de choix pour les harceleurs. Et donc, quand il y a un cas de harcèlement, soit à l'école, soit dans le milieu professionnel, il est parfois bon de se demander si derrière, il n'y a pas, du côté de la personne harcelée, un fonctionnement cognitif différent de type autistique qui fait que cognitivement, elle ne peut pas se défendre, elle est incapable de se défendre. Et malheureusement, les personnes autistes, les personnes autistes Asperger sont également des victimes de choix pour les pervers narcissiques, entre autres dans les relations amoureuses. Et finalement, le troisième point qui nous handicape dans la vie quotidienne, c'est la gestion des émotions. Tout d'abord parce que nous avons des difficultés à reconnaître nos propres émotions. Donc, on ne peut pas non plus reconnaître l'émotion chez quelqu'un d'autre et l'accueillir. Du coup, on va paraître complètement détaché et insensible alors qu'on ne l'est pas. Ensuite, même si on peut reconnaître nos émotions, nous avons d'autres difficultés pour les exprimer. Ça s'appelle l'alexithymie. On ne trouve pas les mots pour mettre sur nos émotions. Et cela va avoir un effet qui peut être absolument dévastateur sur la colère. Parce que nous allons gérer difficilement la colère, avoir des explosions de colère incontrôlées, incontrôlables, et nous-mêmes ne pas comprendre pourquoi. Voilà, ceci termine pour aujourd'hui. Si cela vous parle, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous retrouve demain pour d'autres caractéristiques du trouble autistique. Et entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin des autres et restez à la maison.